salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FIFA 15, la carrière avec l'impact de Montréal. Et aujourd'hui on va attaquer le dernier match de la saison avant d'aller jusqu'à la fin de la saison, forcément. Je crois qu'on avait regardé l'épisode précédent, on n'avait pas d'offre qui nous intéresse. Égal à Tassara, il y en a. Ça m'intéresse pas tellement. C'est un bon club, hein, c'est pas ça le problème, mais. On va quand même finir la saison, à un match près, à un ou quelques matchs près, on va pas non plus. Ça ferait quand même plaisir, au point où on en est, ça ferait quand même plaisir d'être champion quand même. Allez! Alors on m'a dit qu'il fallait que j'essaye de plus utiliser les gestes techniques. C'est vrai. C'est vrai que j'utilise pas souvent les gestes techniques. Comment on va? On va être floum. On va mettre. Kirsch. Qu'est-ce qu'il y en a, Floum? Pépé, non, on va mettre Nium. Et à la place de Philippe, on va mettre. On met lui. Ou on met Mop. On va mettre Mop. On va mettre Mop, Romero, Mop, Sané, Nium, Pépé, Floum. Et on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. On va perdre un sacré paquet d'attaquants l'année suivante. On a deux attaquants en prêt, donc on va en perdre beaucoup. Allez. Donc on est parti pour ce dernier match face à DC United. Face à Washington. Et on va espérer, comme d'habitude, hein, faire un bon match. Parce que c'est ça qu'on aime. Faire des bons matchs. Ah, dommage. Dommage. Je sais pas qui c'est qui... À la réception, là, qui avait pas du tout compris l'idée de ce que je voulais faire. Waouh. La petite frappe, ça passe pas. Ah, il est blessé. Il est blessé, un homme à terre. Bim. Le tacle. Miller, bien joué, Miller. Non. Merde, c'est pas ça que je voulais faire du tout. Oh. Et c'est lui qui a fait une faute, c'est moi. Oh, c'est moi qui ai fait une faute. C'est mon joueur qui tombe, Créco, il est blessé. Bon, ça va, monsieur l'arbitre, c'est un coup d'épaule un peu tendu, mais c'est un coup d'épaule quand même. Il va pas le jouer direct. Là. Ah si. Si. Ouais, monsieur l'arbitre, là, c'est légal, ça. C'est légal, il a le droit de me faire ça. Bien joué, Serna. Hop là. Allez, c'était un petit peu tendu, là. Allez. On l'avoue, Douka, de l'autre côté. Vas-y, le mec qui sort son tacle, quoi. Allez, Lopez. Lopez. Buenacasa, la frappe de Buenacasa, le but. Ça fait 1-0. Ce petit jeu de passe en construction, là. Ça fait 1-0. Alors que DC était pas trop mal quand même dans ce match. Hein. Ils étaient pas trop mal, ils mettaient quand même un peu la pression. Ah, Créco il en peut plus. Créco il en peut plus. On va faire entrer Sané du coup. Non. Du coup on n'aura plus Créco, c'est pas la ralentie que je voulais, c'était reprendre. Tant pis. Créco il en peut plus.
Allez. Lopez, Lopez, Lopez. Ah, dommage. Petite percée de Lopez. Bim. Oh là 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 là, qu'est-ce qui me tente là? Qu'est-ce qui me tente là? C'est quoi ça? Ils sont fous. Ils sont fous. Ils me tentent des trucs chelous là. Ils auraient pu jouer bien plus simple. Sergio, ah dommage, dommage. Sergio était très très bien placé. Sergio était tellement bien placé. Dommage. Allez, ça de l'air. Ouah. Il aurait dû l'avoir, monsieur l'arbitre, c'est pas normal. Où ça la faute? Bah vas-y, fais durer des avantages 15 ans toi aussi là. Y'a pas de faute. Pas de faute. Ça sort totalement. Et hors jeu, c'est con. Vas-y, tu me comptes pas hors jeu. Non, non, non. Tu... Je suis pas allé chercher le ballon. Ouais, c'était sympa ça. On fait des trucs de fou, nous aussi. Bon, Sadler, il est chaud patate. Hein. Il est chaud patate, Sadler. Ah non, c'est Lopez qui est chaud patate et ça passe à côté. Joué qui était au bord de la ligne de hors-jeu là. Tel un attaquant. Il attendait le bon moment pour faire son appel. Et après on a pu constater que ce n'était pas un attaquant. Bon, allez. C'est un mi-temps, ça fait 1-0. Pour l'instant, on remplit notre part du contrat. Même si on a perdu Créco dans l'opération. Allez. Putain, mais... Ça a l'air, le mec, il attire les fautes, quoi. D'ailleurs, au moins, 50% des fautes de l'équipe, c'est son côté, quoi. Allez. Non! Pourquoi tu l'as pas passé comme il fallait? Allez, pour Sadler. Le centre, la tête. Ah, dommage. C'est quoi? Ce sera un cornet? Ce sera un cornet. Un cornet. Peut-être la tête. Il est tout seul. La petite tête. Oh, c'est sorti. Oh. Et il est blessé, on s'en fout. Non, non, mais tu me rends le ballon. Mais je m'en fous qu'il soit blessé. Non, c'est dégueulasse. Il aurait dû y avoir une touche pour moi. C'est dégueulasse, il aurait dû y avoir une touche pour moi. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Ah. Dommage, ça de l'air. C'est dégueulasse, il aurait dû avoir une touche pour moi, le mec, il se serait pas blessé, quoi. Il y aurait eu une bonne touche pour moi. Ah, il est mal donné ce ballon, il est mal donné.
Ouais, touche pour nous. Non? C'est pas ça que j'ai demandé? Heureusement que j'ai demandé un petit renvoi. Ton tacle Lopez, il était sublime. Ça sent l'égalisation. Je sais pas pourquoi. Je le sens mal. Bien joué. Allez. Buena casa. Buena casa. Buena casa. Allez pour Sané. Sané la tête. Oh là là, ça passe à côté. C'était pas trop mal. C'était pas trop mal tenté. J'avais vu Sané qui était plutôt bien placé. Que j'ai pris. J'ai pas pris de jaune. Dis-moi, j'ai pas pris de jaune quand même. Pourquoi on voit ce ralenti? C'est pour montrer ses tacles. Ses tacles sublimes. Ses tacles sublimes, parce qu'on peut le dire. Oula. Ils sont sublimes, ces tacles. Ils sont sublimes, ces tacles. Et voilà. Sergio. Non. Saligo. Duka, pourquoi t'as pas suivi? Duka, pourquoi tu n'as pas suivi? Qui c'est qui va entrer? Personne. Personne, on est bien comme ça. Putain, il était obligé d'être hors jeu comme ça là. Ça m'aurait permis de bien repartir. Mais... ça m'aurait plus intéressé qu'il soit hors jeu quoi. Ouais, c'est n'importe quoi ta frappe. C'est n'importe quoi ta frappe, Sergio. On va quand même le sortir. On va faire entrer Pepe. On va faire sortir Radosevic. Et on va faire sortir. Ah merde, on peut pas. On peut pas. On va faire sortir Radosevic. On a fait nos trois changements déjà. Parce que Krico est sorti en début de match. Bien joué Sané. C'est ça qu'on aime. Allez Sadler. Ouais. Vas-y le défenseur qui a fait totalement du hors position. Allez Sané. Bien joué Sané. Oh, elle est un peu trop forte celle-là. Elle est un peu trop forte. Le beau but de salaud quoi. Le beau but de salaud. Ouais je sais. Je sais c'est pas propre. Je sais c'est pas sympa. C'est pas sympa. C'est pas sympa. Surtout qu'il avait bien fait son truc et tout. Hop là. Didi Douga qui marque son sixième but. Je sais c'est pas propre. Ah, dommage. Je l'aime bien cette équipe de Montréal là, comme ça. Finalement je l'aime bien. Oula, ça c'est bien placé. C'était bien placé. Personne par là, on va me lancer dehors. Allez, il est pas mal celui-là. Il est pas mal celui-là. On lance la frappe et le but de Sadler 3-0. Le gardien qui a. Il était concentré quand c'était Duka qui avait le ballon, mais quand c'était Sadler, il avait tout oublié. Il a fait une espèce de glissade. Hop là. Genre de dire oh. J'ai essayé d'esquiver le ballon. Il a fait le coup de la truite. Et ça fait 3-0 à l'arrivée. L'addition est salée. Et c'est Sadler qui a du match. Une passe d'ess, un but.
Bon, ils ont fait un bon match quand même. Bon, Kreko est 5-8, bon, il s'est blessé dès le début. Hein. Radosevic 7, moi j'ai trouvé plutôt bon Radosevic. Derrière aussi, je trouve que c'était solide. Si on prend pas de but, hein, moi ça me va. Moi. C'est quand même solide. Joueur blessé 4 semaines, hein. C'est fin de saison pour. 1 million. Voilà, après, voilà, parce qu'on a gagné de notre côté. Maintenant, on doit jouer une demi-finale. Un quart de finale. Oui, un demi-finale de conférence. Ouais. Hop, on va arrêter la simulation. En Autriche, tiens, club autrichien. Génial. C'est génial. Ah. Contre le Sporting. Et c'est pas 4 semaines. On peut causer salaire. Romero, Torres Alès. Merci, coach. Romero qui veut causer salaire. Bon, ça va, on a le budget. Combien tu veux, Romero? Alors, il est là. 25 000, oh, t'abuses. Oui, t'abuses, garçon. T'es sûr de toi, là? Moi, je sais que t'es bon, mais faut pas non plus déconner, quoi. Pour un mec qui est même pas titulaire, ça me fait chier, quoi. Putain, ça fait chier quand même, hein. Titulaire, c'est même pas titulaire indiscutable, garçon. On va pas préciser le poste et on va mettre que 20 000. Voilà. Voilà ce que je te propose. C'est qui lui? C'est pour 525 000, un buteur de 29 ans. Allez, on va jouer cette première demi-finale contre le Sporting. L'ancien club à notre ami, on va jouer en bleu, ils vont jouer comme ça, ça devrait pas trop gêner. Donc Kreko, il est en sursis, donc on va mettre Sané. Kreko, on va même le laisser au repos. Est-ce qu'on a un MOC? On n'a pas de vrai MOC si on a Philippe. Donc on va faire ça, et on va mettre un Mop sur le banc. Et ça ira très très bien. Ça irait très très bien. Ouais. Allez, c'est parfait. On va partir comme ça. Mickey Lopez. Il est pas mal ce Mickey Lopez quand même. Hein. Je le trouve bien, hein. Je le trouve efficace. Hein. Je le trouve très très efficace. Allez, maintenant c'est des matchs qu'il faut pas chier. Comment ça, il y avait avantage. D'où tu le sors, ton avantage, garçon? Allez, on est à l'extérieur là. Allez, bien joué Sané. Ah. L'occasion de marquer un petit but de fouine peut-être. Allez. Et allez, on va chercher peut-être la balle. Non, c'est bien couvert par la défense. Voilà, il m'a fait une espèce de fin de déplacement. Il m'a fait une espèce de fin de déplacement. Donc... Non, qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai pas demandé une profondeur. Qu'est-ce qui a fait faute? C'est pas moi qui ai fait faute. Hein. Ah, voilà. La frappe s'est contrée par qui? C'est contrée par un adversaire. Mais c'était cadré quand même. Hein. Ça avait le mérite d'être cadré. La tête, non. Totalement raté.
Allez. Oula, Duka il était parti. Une vraie fusée, quoi. La frappe. La deuxième frappe de Duka. Et ça passe, c'est l'ouverture du score de Dili Duka. Après cette frappe. Oula, il s'est retourné quand il avait les genoux plantés dans le sol. C'était un peu bizarre. Après cette petite frappe de Sergio, repoussée par le gardien. Et Duka qui a suivi. Ça fait plaisir, on mène à 0. La frappe, elle était plein gardien, mais elle était pas trop mal, hein, la frappe de Sergio. Hop. Il se sent rentré dedans, mais ça n'a pas eu d'incidence. Ah, dommage. Dommage parce que Sergio, il a pas cherché à faire d'appel, ce qui était quand même très dommageable. Bim. Allez, pour Duka. Pour Duka. Ah. Monsieur l'arbitre, c'est obstruction, ça. Il m'a gêné, mon Duka. D'accord. C'était tout prévu, c'est ça. C'était tout prévu. Là, je vais prendre un beau jaune. Je vais prendre un beau petit jaune. Il a fait exprès. Je suis sûr qu'il a fait exprès. Allez. Je pense pas qu'il va le tirer direct. Ça fait un peu loin quand même. Bien joué, Lopez. Allez. Pour Sergio. Non! Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a vu une faute, hein? Mais pourquoi la faute, elle est ici? Ouh! Ça a été repoussé seulement par le gardien, alors que c'était pas trop. Pas trop grave comme frappe. Oh, le centre, il était. Ça va, personne n'y va sur le ballon, vous en foutez. Vous me le dites, hein, si vous en foutez. Bien joué. Bien joué, mon petit Radosevic. Et pas mal aussi, Radosevic, sur ce FIFA-là. Hein. Lopez, Lopez, Lopez. Duka, la frappe et le but de Duka. Oh, hors-jeu. Dommage. Dommage. Dommage, il doit pas être en jeu beaucoup, hein, parce qu'il était collé à son vis-à-vis. Ouais, il pas en jeu de beaucoup, hein. Une petite foulée de trop. Non, 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 qu'est-ce qu'il m'a fait? Et tu veux pas jouer avec Lopez? Il était juste à côté, Lopez, il est arrivé. Pourquoi tu joues pas avec lui? Bien joué l'autre Lopez. C'est la mi-temps, alors que je me suis fait faucher mon Duka. Et allez, on mène 1-0. Radosevic peut-être, enfin pour Duka, Duka, non, Duka. Wesh, un peu trop longue. Comment ça j'ai fait faute? De la sort d'où ta faute? Oh, Sylvain. Monsieur l'arbitre, c'est obligé qu'il s'est fait tamponner, monsieur Silva, c'est obligé. Monsieur l'arbitre, soyez logique.
Oh, il est pas hors jeu. Oh, c'est l'égalisation. C'est l'égalisation. Putain, le salaud, quoi. Allez. Non, tu t'en vas. Non, 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 tu m'as fait des conneries là. Non, tu m'as fait encore des conneries. C'est pas vrai, quoi. C'est l'arbitre, il me gêne. Il a pas le droit. Il a pas le droit de me gêner comme ça. Pourquoi il y a personne de ce côté-là? Allez, Lefebvre, bien joué, Lefebvre. Allez, allez Douka, allez Douka, il n'y a plus personne là, il n'y a plus personne, comment on fait sans attaquant là? Comment on fait sans attaquant, il n'y a plus... il n'y a plus personne devant. Non! Qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est quoi ce vieux contrôle pourri? C'est quoi ce vieux contrôle pourri, garçon? T'as pas le droit, il se retournait, il donnait à Sadler, il était parfaitement bien placé, Sadler. Ouais, mais ça c'est. Ah. Le jeu en une touche de balle approximative, tu sais. Mais totalement, monsieur l'arbitre, là. Oh, monsieur penalty! Totalement penalty! Ça vaut un carton ça! Ça vaut un carton, tirage de maillot par derrière! Ça vaut un bon carton ça! Non mais oh! Ouais, c'est tirage de maillot ça! Et totalement! Totalement! Tirage de maillot abusif! Allez, le péno! Le péno! Tiré par Sergio! S'il veut bien me laisser le tirer, merci. Allez. Et ça passe! Ça fait 2 buts à 1. Ça fait 2 buts à 1. On va faire des changements, peut-être. Parce que je vois que Sané est fatigué. On va faire entrer Philippe. Radosevic est un peu fatigué. On va essayer quand même de... d'économiser les organismes. Pour éviter les blessures. Sergio qui marque et qui va sortir. Allez, le péno. Le péno qui passe son 10e but en MLS. C'est pas trop mal. Hein. Le premier, il est à... Le scroc, le troisième, il est à 15. Mais non, je joue pas personne. Je joue pas perso comme vous. Je fais pas marquer que les attaquants. Ok, il a marqué seulement, seulement 10 buts. Mais il faut dire que la moitié d'équipe a marqué au moins 3-4 buts. C'est sorti. Sorti, c'est pour nous alors. Voilà. Bouge pas comme ça là, tu me fais peur là quand tu bouges. Non, c'est pas par là, c'est sur là que je voulais. Non. Ouais, wow, vas-y le mec là, mais c'est qui ce type là quoi? C'est qui ce mec là quoi? Vas-y, va. Comment il peut faire un centre comme ça de là, quoi? Faut pas abuser non plus. Hein. C'est pas comme ça que je la voulais, mais. Allez, Cernin. Voilà, laisse passer. Bientôt être la fin du match. Non, monsieur l'arbitre! Il a le droit de faire ça, putain, mais c'est quoi cette montagne là?
c'est quoi cette montagne, quoi? Putain, les gars, suivez, là. Vous êtes un petit peu à la rue. Là. Vous étiez un petit peu à la rue, les gars. Il y a le ballon qui passe, il n'y a personne qui veut le chercher. Bon, voilà, c'est la victoire 2 buts à 1 sur le Sporting. Joueur suspendu, Radosevic, merde. Ça, c'est con. D'accord. Ils n'ont pas été respectés, bah ouais, mais bon. Oh, oh, t'es cru où, toi? Pas de thunes, nous. Enfin, si, on a les moyens, mais... Pas déconner, quand même. On va le payer 20 000 alors que c'est même pas un titulaire. Conférence de presse, on s'en fout. Non, on va faire ça. Contrôle Sporting, retour contrôle Sporting. On va jouer couleur extérieure chez nous. Non, 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 on va rejouer les mêmes couleurs. On va rejouer le même match. Créco est toujours en retour de blessure. Donc on va faire ça. Mop. À la place du gardien, on va peut-être mettre Kirsch, pourquoi pas. Flum qui a pris automatiquement la place, c'est pas de son problème. Et on va le garder. Quoique. On fait ça. On sait jamais. Allez. Flum et Lopez. Alors 2 buts à 1 à l'aller, sachant qu'on a marqué 2 buts à l'extérieur. Je ne sais pas si ça compte dans ces matchs-là. Toujours est-il qu'on a gagné. Et c'est ça le principal. Bien joué. C'est pour reperdre le ballon derrière. Ouais, ça passe. Ça passe. Douka, la frappe. Oh, le poteau. La frappe. Ah, il est hors jeu. Il est hors jeu. Comment il peut être hors jeu, quoi? Comment il peut être hors jeu, le salaud? En tout cas, la première grosse chaleur sur les cages du Sporting. Avec cette occasion. Tony qui fait le fou. Là, là, il joue beaucoup là. Perd pas la balle. Allez, Sadler. Bien joué, Sadler. Sadler, putain, mais pourquoi pourquoi je pouvais pas sélectionner quelqu'un d'autre que Sadler, quoi? Ça sent le but, ça. Honnêtement, ça sent le but. Honnêtement, ça sent le but, parce que ça sent le centre. Non, c'est bon. Oh, Flum, penalty sur Flum. La faute indiscutable sur Flum. Dernier défenseur, non? Carton rouge. Non, peut-être pas carton rouge, pas déconner. Il a fait un fuck à l'arbitre. Sur l'arbitre, ça va en rouge. Ouais, tirage de maillot dans la surface. Non, même pas. Non, c'est le tacle dans la surface. Le mec, il met même pas un carton. Il met même pas un carton, quoi. Tu le vis, ça? Il y a comme du déjà vu dans l'air. Bizarre, il tremble moins, Sergio. C'est étonnant. Au même endroit, le gardien, il se fait quand même avoir. Ça fait 1-0. Ouverture du score. C'est Sergio. Allez.
D'ailleurs, je non. Quoi? Wow. Bah, comment ça se fait qu'il a touché le ballon et sans me faire tomber à moi, quoi? Non, mais vas-y, j'ai demandé un petit ballon devant. J'ai demandé un petit ballon vers le haut. Et lui, il m'envoie une grosse passe vers l'avant. Wow. Bien joué. Ah. Bien joué, Floum. Ah, dommage. Putain, il a eu le temps de bien se retourner, le Saligo, quoi. Bon, très très bon retour de Lopez. T'es pas hors jeu là. Ouais, je l'ai vu venir, repartir. Tony, qu'est-ce qu'il fait là? Mais un coup il est d'un côté, un coup. Quoi, faute? Où ça la faute? J'ai pas vu de faute moi. Là, il va le tirer direct, là, c'est obligé. Allez, côté mur. Non, on va pas le tirer direct. Alors. Si, si. Hop. Oh, le but. Légalisation. Légalisation. Bravo, Cerna. Là, pourtant, les défenseurs, ouais, là, j'aurais dû prendre le ballon, je sais pas pourquoi. Il a touché le ballon, mon défenseur, mais il n'y en a aucun à côté qui a réagi. Allez, c'est la mi-temps, ça fait un partout. On mène quand même 3 à 1. 3 à 2. Confrontation tendue. Confrontation tendue. Et il est passé où, mon attaquant? Et le but de Sané! Pas besoin d'attaquant, il y a Sané! 2 buts à 1! Le Sergio, je sais pas où il était parti. Et il est derrière, là, tranquille. Le but de Sané! Très très bien lancé par Floum. Et ça fait 2 buts à 1. On se rassure un petit peu. Parce que là... Bien joué Sané. Il fait un bon match. Bon, on l'a fait sortir. C'est pas grave, on gagne quelques mètres. Allez, on va aller emmerder le mec. Voilà. Bien joué, Sadler. Bien joué. Allez, Duka. Duka, il est un petit peu seul, Duka. Il est un petit peu seul, Duka. Il faudrait balancer, voilà. Bonne petite talonnade, là. Sadler, la petite frappe et le but. 3 buts à 1. Bien joué. Bien joué les gars. Mais utiliser Sergio pour faire le pivot. Non, c'était Sané en plus. Sané passeur et 8 heures, c'était Sané. Non, Sergio était en bas. C'est encore en mode spectateur. Bon là franchement il a raté quand même.
J'aurais dit tout le coup de ma gueule un peu. Parce que là, il était bien placé là. Seul devant les cages. Bien joué, Floum. Non, c'est pas pour là. Ouah, d'accord. C'était la passe à qui là? Où c'est la faute? Bah, c'est de l'épaule contre épaule, monsieur l'arbitre. Y a pas faute là. Y a pas faute. C'est de l'épaule contre épaule. Allez. Oh, c'est bien lancé ça. C'est bien lancé, Sergio. Sergio, Sergio, il passe les deux défenseurs. Sergio, la frappe de Sergio. Non, malheureusement, c'est sur le gardien. Ça va, Lopez. Un petit peu. Tu joues à Fantomas. Qui sera Fantomas? Allez, c'est bien joué, ça. C'est bien joué, ça. Duka. Duka, 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 Duka. La frappe et le but. C'est n'importe quoi. Cette occasion, c'était n'importe quoi. Ça partait bien. Oh là, il a un problème au niveau des poumons. Il a les poumons qui ressortent. Sergio, c'était le bordel. Heureusement que ça n'a pas compté un hors-jeu parce que Duka était dans... Ouais, mais il est hors terrain, donc du coup, normalement, ça compte pas. C'était bien joué. Quel beau but. Quel beau but de Lopez. Quel beau but. On a Duka qui se relève dans la cage. Son troisième but, ça fait 4-1. On est à 6-2. On devrait pouvoir passer. Ça devrait le faire. Allez. Wow, c'était bien de jouer ça, Lopez. Ton tacle était sublime. Bien joué, c'est bien lancé ça. Bien joué. Ça aussi, c'est bien lancé. Sergio, la frappe. Oh là, c'est contré. C'est contré. Il a voulu tenter une frappe de loin. Merde, c'est vrai qu'on m'a dit d'utiliser le geste technique et je l'ai pas fait une seule fois. Par manque d'habitude, ça doit être ça. Pourquoi il est tout seul, lui? Ah, dommage. Dommage, dommage. Ils sont fatigués un peu. Allez, c'est la fin du match. Sur un beat, il peut siffler, c'est bon, hein, 4-1, c'est fini là. Voilà. Victoire 4-1 contre le Sporting dans cette quart de finale de MLS, cette demi-finale de conférence, je crois du coup. On affrontera Toronto. Suspension purgée. Ok. On affrontera Toronto avec des joueurs fatigués sûrement. Voilà. Ça c'est sympathique ça. Toronto, il y a toujours un... Alors que là, on a eu une semaine entre les deux matchs, hein, plus d'une semaine, et là, hop, on a deux jours entre les deux matchs. Ça, c'est génial, on joue en premier. On joue à l'extérieur en premier. Et il y a qui après? Salt Lake et Galaxy. Ouais. Donc la finale se jouera... Voilà, donc on aura deux matchs. Je sais pas si ça sera sur un... Je me souviens plus si c'est sur un match, la finale, ou sur deux, je me souviens plus. Ouais, le meilleur buteur, il est à 18 quand même. Hein. Et moi, mon meilleur buteur, il est qu'à 10. Donc... Mais bon, on est quand même premier de la MLS, largement devant, donc c'est bien que finalement ça marche. Hein.
Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette aventure sur FIFA 15, la carrière avec l'impact de Montréal. Allez, ciao!